voit pas bien dans la vidéo, zut. L'iris est la fleur de Bruxelles. Même le réseau internet s'appelle IrisNet. Il y a la fête de l'iris. Je n'y suis jamais allée. Je crois que j'y ai pensé en les filmant. Je ne me souviens plus. C'était il y a 5 mois. J'y pense maintenant, le 24 octobre. Depuis quelques semaines, ce qui s'apparente à une nostalgie, si on peut appeler ainsi le sentiment réel de manque d'un espace qu'on sait imaginaire, une espèce de nostalgie me secoue de petites vaguelettes, le sentiment réel de manque d'une Bruxelles qui n'existe pas ou plus. Ah ouais, non, c'est pas un Mima, c'est trop près là. Ah, c'est ça, je pense. Non, le Mima, c'est là. Bon. Non, moi aussi, j'ai du mal à me situer là par rapport à... Parce que là, il y a Erasme. Non. Erasme, c'est là-bas. Vous savez, le Mima, il n'est pas orienté comme ça, ça m'a provoqué un moment. Oui, oui, c'est ça. Non, non, il est de l'autre. Ah, c'est pas fait. Je regarde cet iris, aujourd'hui d'octobre, secoué par les vaguelettes. Ce n'est pas du regret. Quand je regardais ces iris il y a 5 mois, j'avais envie d'y enfouir ma tête comme un bourdon, de leur tirer la langue en réponse. J'imaginais bien sûr les mêmes pistils au creux d'autres lèvres, peut-être plus rouges que jaunes, sexe-fleur. Je ponce pourtant, si, si, les planches de la bibliothèque de ma maison. Je ponce, si, si, mais je ne fais pas de pilates et je ne me lave les mains des dizaines de fois par jour sans être je m'en foutiste. J'ai une question pour mon camarade, journal filmeur, Arnaud Delacote. Comment combles-tu le gouffre du temps entre tes images et ton écriture ? Comment élaborer la carte de son parcours sur la toile d'araignée de la mémoire? Et qu'est-ce qui fait mouche? Le souvenir? Les souvenirs ne sont pas des choses entièrement compactes et fermées sur elles-mêmes. La mémoire ne capture pas les souvenirs.
après, il faudra faire aussi toutes les surfaces avant de peindre. Je sais pas si c'est nécessaire. Ce que je me rappelle précisément, c'est que nous n'avions pas envie de regagner Paris. Et pour mettre une déviation à notre tristesse, nous nous sommes arrêtés dans une pizzeria à Milly-la-Forêt. Milly-la-Forêt, toile d'araignée, c'est la ville de cette espèce de nostalgie dont j'ai parlé, pour la narratrice de L'âge de discrétion de Beauvoir, que j'ai lu en intégralité pour mes audiolivres Jeunes femmes lisant. Et j'ai fait à cette narratrice une voix haut perché. Et quand elle retourne à Milly, tout a changé, la place du marché n'est plus la même, l'auberge où manger des truites, ou des sols, je ne sais plus, a fermé. En clin d'œil, chaque fois que nous passerons en voiture, nous disons « Mon Milly, cher Milly », en caricaturant ma propre voix et la voix intérieure de cette narratrice. Après la déviation de tristesse et un Milly que nous aimons bien aujourd'hui, sa pizzeria, sa belle halle ancienne et non loin le pas de tir à l'arc, après cela, le ciel était beau et sombre avec des couches de nuages grumeleuses, tout cela meilleur à l'œil qu'à l'objectif. Mémoire, toile. Araignée, iris. Simone, Bruxelles. Nostalgie, mémoire espoir, manque réel, espace imaginaire. Milly, mon Milly. Fleur de sexe et pays devenu furtif et impalpable, comme une vieille chanson de tango, fredonnée et dansée en solitaire.